Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard. Ouais, c'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien. C'est MR, collectif Marie Reed. Quelques lignes de plus dans les dossiers d'Interpol. Quelques signes de plus qui soulignent le contrôle. Quelques recrues de plus, échelon RG Europol. Quelques cellules de plus, le capital construit les tôles, ouais. C'est là leur monde entre le strass et la crasse. Et ils filment et matraquent sur la Copernicastrasse. N'ont pas de place pour celui qui sort du rang, à part dans l'un de leurs multiples camps d'enfermement. Le suivant sera à ciel ouvert, CCTV dans les rues, CRS dans les TER. Ils incitent à la surveillance, la délation comme sous Vichy. Et bien sûr ce n'est jamais leur faute, comme à Sarcelles ou à Clichy. Ils abreuvent de clichés, la propagande sur les écrans. Craignent pour sa sécurité et accepter leur armement. Toute révolte ils peuvent l'acheter au prix d'un confort déprimant. Sinon ils sont des cachets, des seringues et des calmants. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Encore des mensonges et des ellipses en accord avec ceux qu'ils élisent, font des scores par la haine qu'ils attisent et décorent les majors de la bêtise depuis longtemps. La presse indépendante est enterrée depuis longtemps. La chasse aux dividendes est commencée, évidemment. Évidemment, faut pas le dire, continue tout gober, ils peuvent toxir la tombe. Dana n'a rien de beau à prédire, les bombes. Sharia et dictature me font frémir. Ils nous disent comment penser, comment bouffer, comment mourir. Ils méritent avec leurs principes de précaution, leurs tout sécuritaires, et pourquoi pas l'extrême onction tant qu'ils y sont. Ils nous fliquent à chaque carrefour, mais tu flippes quand tu sors de ta cour. Ils nous mettent la pression comme à la bête, traqués de la chasse à court. On maintient nos intentions et on tient tête, non par haine mais par amour. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Putain, y'a des hélicos dans le ciel, des flics plein la rue, la paranoïa devient démentielle. T'as vu, t'as cru pouvoir esquiver, mais affronter devient essentiel. L'horreur de la réalité, elle, s'est accrue. Bien plus que ce que t'as cru, ça devient ardu. Le choix entre la prison et l'apathie, entre les matons et la patrie. Quand je l'ai su, j'ai pas pleuré, j'ai pari. Depuis, je vois que ça part en couille de Los Angeles jusqu'à Paris. Alors je me blinde et reste conscient du danger. Pour une manif ou un concert, tu peux manger. Leurs chiens sont toujours prêts à être lâchés. Faut pas s'étonner, dès le matin on veuille les clasher. La classe est qu'ils endorment tout le monde à coups d'air ou de cachet. Cherche même pas à te cacher au dossier dangereux dans leur fichier t'es classé. Pas d'autre issue ici que de se faire casser. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Surveillance. Vu qu'ils ont déclaré la guerre, la paix se trinquera à l'essence. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. Subversion contre surveillance. C'est bien connu, hein. Il y a des statistiques là-dessus. Les flics, dès la naissance, ça sue du derche.